Hey yop tout le monde, salut à tous les gamers et gameuses, c'est Landorf, bienvenue pour cette vidéo bande annonce. Donc si tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que t'es un nouvel arrivant sur ma chaîne. Alors je te recommande de prendre deux instants pour t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. N'oublie pas aussi de partager la chaîne avec tes amis. Donc je me présente, je suis connu sous le nom de Dr. Landorf, alias avant Mr. Landorf, et encore avant Landorf. Mais vous pouvez m'appeler Lucas, je suis un jeune gamer de 16 ans qui est en train d'aller sur ses 17 ans. Donc j'ai 17 ans bientôt, on va dire. Enfin bientôt, tout est relatif. Hein. S'il vous plaît, tout est relatif. Hein. Donc voilà, je suis un passionné de hardware, de jeux vidéo, de films, un peu de tout. Et les informations que vous pouvez avoir sur ma chaîne YouTube sont surtout des news day. Je vais essayer de continuer ma série qui parle de l'hardware, un peu de news, ainsi de suite. D'ailleurs, pour le gaming, ça va être en stand-by. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un PC. Pardon, je n'ai pas un PC hyper puissant, donc je ne peux pas m'amuser à faire des vidéos sur des gros jeux qui demandent beaucoup de ressources. C'est limite si je peux faire que des vidéos sur Minecraft. Et encore, c'est limite si je sais jouer à The Witcher 2 dans une qualité raisonnable, on va dire, en fluide. D'ailleurs, ça, il faut que vous me le disiez en commentaire si ça vous intéresserait. Un let's play sur The Witcher 1 et puis The Witcher 2, et dès que j'aurai un nouveau fait ordinateur, The Witcher 3. Comme ça, je fais la trilogie sur ma chaîne YouTube et ça peut envoyer du lourd. Donc, on fera tout d'affilée, évidemment. Voilà. Et donc, oui, je parlerai aussi de d'hardware, pas de software. Donc, pour les incultes qui sont dans une grotte, le hardware, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans votre PC. Donc, c'est carte graphique, processeur, carte mère, alimentation, water cooling ou bien un système de refroidissement classique, on va dire. Carte graphique, je crois que j'ai déjà dit, disque dur, HDD, SSD, enfin, tout ça. Ben, on va parler de ça, on peut parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai sorti une vidéo de 5 minutes qui parlait de la GeForce GTX 1080 pour mes amis suisses et 1080 pour mes amis français et moi-même, parce que je suis belge. Donc oui, je suis belge, donc si j'ai un petit accent belge, bah, tant pis. Hein. Mais bon, voilà, je suis fier de mon pays. Lol. Non, mais plus sérieusement. Donc cette vidéo, franchement, si vous allez la voir, s'il vous plaît, ne la regardez pas entièrement. J'ai mis une grosse annotation en plein milieu de la vidéo pour que vous cliquiez dessus, parce que j'ai fait une deuxième vidéo sur les 1080, 1080 et 1070 ou 1070. Et elle est beaucoup plus travaillée, elle dure environ une demi-heure si je ne m'abuse. Et j'explique bien, je parle de toutes les nouveautés que Nvidia nous annonce et nous donne avec cette nouvelle génération de cartes graphiques. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, prochaine vidéo arrivera sur les futurs processeurs Broadwell de Intel. Qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai dit processeur, j'espère que j'ai dit processeur, parce que si j'ai dit disque dur, là ça va plus. Hein. Je suis vraiment con si j'ai dit disque dur, désolé d'ailleurs si j'ai dit disque dur. Enfin bref, oui, les nouveaux processeurs d'Intel qui vont sortir, donc c'est des processeurs qui ont 6 cores. Puis il va y avoir aussi un octocore. Et je vais ne pas vous spoiler de quoi je vais parler dans cette vidéo, parce que c'est hallucinant. Juste what the fuck, c'est processeur, enfin d'après ce qu'on a. Donc voilà, donc ce sera les grands frères des processeurs Aswell si je ne m'abuse, donc de la plateforme x99 pour mes amis français, et pour mes amis belges c'est x99. Donc voilà, et bien franchement, si tu veux beaucoup de news sur l'hardware, n'hésite pas à me dire d'ailleurs, soit dans la page discussion de ma chaîne YouTube ou bien en commentaire, si ça vous plaît que je parle d'hardware, que je parle des nouveautés de l'hardware. Et ce qui pourra faire en sorte, c'est que grâce à ça, peut-être que je pourrais me faire des partenariats ici et là pour pouvoir tester du matos en vidéo, ainsi de suite. Ça, ce serait vraiment le top du top. Mais bon, je suis sûr à 99,99% que ça n'arrivera jamais. Enfin,
Enfin, après, il faut que la marque me fasse confiance. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que je sais très bien que mes abonnés la verront aussi, évidemment. Et n'hésite pas à t'abonner, toi qui es nouveau sur ma chaîne YouTube et qui vient voir pour la première fois de sa vie ma chaîne YouTube. Donc, je te laisse t'abonner à ma vidéo. T'abonner à ma chaîne. Partager la vidéo avec tes amis si tu penses que ça serait intéressant pour eux de connaître ma chaîne YouTube. N'oublie pas de liker peut-être la vidéo. Quoique, ça, c'est à vous de voir. Mais n'hésitez franchement pas à commenter la vidéo avec vos avis. Me dire ce que vous en pensez, que je fasse des vidéos sur le hardware, que j'explique certaines choses et que je parle prochainement des processeurs, des nouveaux processeurs Intel. Donc ce sera courant de vendredi soir. Donc en théorie la vidéo sortira vendredi soir sur les processeurs Intel. Parce qu'en fait je vais travailler vendredi dessus. Donc je finis cours à 14h30. Ah pardon, je suis fatigué. Donc je finis les cours à 14h30. Mais bon, ça, je pourrais travailler après les cours sur la vidéo, les recherches, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment d'énormes recherches à faire parce que j'ai tous mes livres ici de hardware. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si elle est très courte. Que cette présentation de ma chaîne YouTube t'aura aussi plu. Et n'hésitez pas, franchement, si vous avez des idées ou quoi, venez en commentaire me les donner. Parce que avant tout, nous sommes une communauté. Et sans mes viewers, bah, je ne serai rien. Et sans vous, je ne serai sans doute encore plus rien du tout. Mais donc voilà, c'est pas que ma chaîne à moi. Parce que une chaîne, c'est bien beau d'avoir une chaîne. Mais quand on a des viewers, c'est important que les viewers participent au développement de la chaîne YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère que voilà, que vous auriez beaucoup, que j'aurai beaucoup de commentaires, que vous me conseillerez de faire beaucoup de choses. Enfin, bref, je ressortirai beaucoup de choses du lot. Donc, n'hésitez pas, franchement, commentez mes vidéos. Je lis les commentaires actuellement parce qu'on n'est pas, on n'est pas une énorme communauté. Mais quoique, même si on était une énorme communauté, je m'amuserais à lire tout le temps vos commentaires pour voir ce qui leur tourne, de voir vos avis. Pardon, j'ai baillé. Donc si toi aussi t'as baillé derrière ton écran, lâche un like, lol. Non mais voilà. Donc voilà, bah, je vais dire peace. Et donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas de regarder la vidéo sur Tonton Pascal MDR. La vidéo qui parle des nouvelles cartes graphiques Nvidia. Enfin bref. Hey, tchuss tout le monde, c'était Landor. Et salut, si tu regardes cette partie de la vidéo, c'est que la vidéo est terminée. Je te recommande de t'abonner, de partager la vidéo si elle t'a plu, de la liker, de ne pas oublier de la commenter si cela te fait plaisir. À gauche, vous verrez en like cap, donc c'est-à-dire une annotation à gauche pour la vidéo précédente et à droite pour la prochaine vidéo. Et non, je ne vous spoilerai pas. Allez les gamers et gameuses, peace.